Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'épisode 10 de Visectrum. Je suis en train de réfléchir à quel numéro c'était. Parce que je m'étais paumé dans mes comptes. Voilà, on est parti. Il faudrait que, c'est vrai qu'il faut que je rééquipe quand même un petit peu. Poum pidim poum pam poum. Allez, c'est parti, c'est patrouille. Donc, la fois dernière, on sait que nous en étions. Ah oui, et du côté donc, de Rain, on avait Maria, Nabella et Samantha qui ont rejoint la team pour. Parce que je voulais les rejoindre pour avancer jusqu'au lieu de la finale ou un truc comme ça. Donc, c'est cool. Les potentiels adversaires. Sont déjà avec nous. Dis-moi, Finard, est-ce que tu sais qui plaît à la Swell ? Quoi ? Hein ? Se pourrait-il que ce soit toi, Finard ? Que quoi ? Non, pas du tout, absolument pas. Elide, alors ? Ou peut-être ça croit ? Je ne crois pas. C'est quoi cette question ? Mais laissez-le tranquille, ce pauvre Lassois, il a rien demandé. Non, moi je sens le truc triste. Si vraiment il doit y avoir quelconque couple. Ça va être fini avec soit la reine ou la Swell après vraiment un combat décisif pour dire qui c'est qui va l'emporter. Et bien sûr ça sera un combat truqué parce que dans l'un des deux qui lui n'est pas intéressé et du coup laissera l'autre gagner. Bon, peut-être les deux en fait, je ne sais pas. Du coup ça sera fini à décider. Qui souhaites-tu? Et au final, ça sert à personne. Je ne sais rien, Neige. Là, si j'en parle, parce que voilà, ça. C'est ce que. 6 coups ou plus, 2 limites. Ok. Ah, pour le coup, la frayeur, elle aurait été parfaite là. Ah, bah, il y en a une autre. Nickel. Après, donc, techniquement, Jake et Lead, c'est. Pratiquement confirmé. Ouais, je dis bien pratiquement. Alors ce que tu nous dis, c'est qu'aucune fille du groupe ne plaît particulièrement à la Swell. Eh bien, il me semble qu'il s'entend plutôt bien avec Charlotte, mais... je n'en suis pas sûr. Ils n'avaient pas l'air d'être ensemble, de ce que j'ai vu. Je vois. Ça veut dire qu'on a une chance, alors. Le pauvre. Parfait, 6. Maintenant, il me faut les limites. Donc, on disait ok. Après, donc, il a que Jake, Nicole. Il a Citra et Volga sur lui. Et qui sont intéressés par lui plutôt. Pardon. Faut que je fasse gaffe un petit peu au propos où je tiens. Sauf que je pense que s'il doit finir avec quelqu'un, ça sera avec aucune des deux. Clairement. Euh...
Et qui c'est qui reste d'autre? Sakura, ça c'est une excellente question. Et le que Sakura le dit peut du coup peut-être avec Rain finalement. Je sais pas pourquoi, je réfléchis au truc, hein, je donne le temps parce que. J'écris tout ça parce que après je vais me perdre. Sid il a déjà une fille donc ça m'étonnerait qu'il veuille refaire quelconque enfant vu l'âge de sa fille aussi bien sûr. Regan il a déjà Rain, pareil. C'est compliqué. Ouais, Folga, techniquement, oui, elle a ses descendants. Elle a ses descendants, donc pareil, c'est compliqué. Non, ma vas-y. Carte sur table. Si la soie est libre, laquelle d'entre nous va tenter sa chance la première? J'imagine que c'est logique de donner priorité à l'aîné. Ça dégare à moi. Mais c'est pas juste, c'est toujours la plus jeune qui a Prumps. Si c'est comme ça, alors je vais y aller la première. C'est ce qu'il y a de plus équitable. Je suis en plein milieu. Ce sera moi! Ce sera moi! Ce sera moi! Pff, mais non! Ah, mais les filles... Vous faites du mal. Franchement, vous faites du mal pour rien. Ouais, j'ai pas cherché à faire un chimère d'ailleurs. Pour la peine. C'est quoi déjà son nom à lui? Oui, ici, il y a. Ouais, c'est un vrai casse-tête en fait, toute cette histoire. Là. Et d'ailleurs, autant j'aurais peut-être pu faire la chimère d'ailleurs, mais j'ai pas fait gaffe. Magie, bon, ça va juste ce qu'il faut. Merci, ça pourra. Bon, par contre, c'est Io en force, hein, clairement.
à Ibex. Et voilà, ça c'est fait la PC. Oui. Une de la zone. Oui, sûr. Bon voilà, un petit objectif de raté, c'est pas excessif. Ça va. D'après qu'il y a, je sais plus, tous les PNJ qu'ils ont rencontrés en cours de route et qui peuvent être considérés dans l'histoire. Je sais. Il y a de trop près. Visiblement, il n'est pas là non plus. Il doit être déjà loin devant nous. Notre position dans le tournoi dépend de l'ordre d'arrivée, non? Je me demande où on sera placé. On avance plutôt bien. Si on continue comme ça, nos deux équipes seront qualifiées pour les finales. Oui, et si nous nous affrontons lors des finales, donnons-nous chacun un fond. À ce propos... Ah, on va dire qu'elles vont pas y participer, en fait. Nous ne nous battrons pas contre vous. Ah bon? Que voulez-vous dire? Nous en avons discuté entre nous. Si on tombe sur vous, on a décidé qu'on vous céderait la victoire. Vous méritez bien plus que nous de gagner et de prendre le trône pour le bien de Palladia. Attendez une minute, vous êtes sérieuse là? Je croyais que vous vouliez libérer vos parents. Évidemment, mais si vous prenez la place de l'empereur, je sais que vous nous aiderez. Nous y avons beaucoup réfléchi. Si c'est nous qui gagnons, nous n'arriverons à sauver que nos parents. Mais vous tous, vous êtes différents. Nous arriverons à sauver tous ceux qui souffrent, pas juste nos parents. Nous vous avons observé depuis tout ce temps. Nous avons foi en vous. La Soël, nous voulons placer nos espoirs et nos rêves entre vos mains. Eh bien, pourquoi cette tête? Ça ne vous fait pas plaisir? J'essaye de comprendre ce qu'il me manque pour vaincre mon maître. Mais la réponse m'a échappé jusqu'à maintenant. Dois-je trouver une meilleure stratégie? Ou plutôt de nouvelles techniques? Mais j'ai compris, c'est autre chose. Que ce soit votre souhait, le rêve de Pri et Atoll. C'est le fait de me battre en portant le poids des espoirs de tous ceux qui me donnent ma véritable force. Pardon, de tous ceux qui me donnent ma véritable force. Maria, Samantha, Annabella, merci de m'avoir fait réaliser ce qui était important pour moi. Oh, ravi d'avoir pu aider. Je te l'avais dit qu'il était trop classe. Oui, un vrai héros comme on n'en fait plus. Je devrais peut-être en sortir avec lui. J'ai une idée. Et si on sortait avec lui à tour de rôle et... Hey, je peux savoir ce que vous chuchotez? Oh, ce n'est rien, chérie. Ne t'occupe pas de ça. Hey, dis donc, Samantha, la semaine n'est pas ton chéri. Oui, c'est vrai, c'est le mien d'abord. Qu'est-ce qu'il se passe au juste? Allez, retour du coup avec le groupe de Regen qui ont recruté donc Sid, qui ont recruté Mid, même Yego de parmi les étoiles d'Aldor.
C'est pas. C'est pas du chiquet tout ça. Et donc du coup ils ont rencontré les quatre enfants de S, je crois, c'est ça? Qui vont servir pour neutraliser la barrière magique de l'empereur pour qu'il puisse réussir à l'atteindre et l'assassiner. Rage, as-tu des parents? Oui, ils ont péri il y a longtemps de cela. Je vois, je te prie d'excuser cette question importunée. Pas de soucis, à ce stade ça ne fait rien. Je vois, ça c'est évident que mon père est ton tuteur à présent. Mon père tuteur? Oula, non, pas du tout. Tu ne l'aimes pas? Je n'irai pas jusque là. C'est quoi cette conversation croisée de tout là? Une question pour quelqu'un? C'est la réponse de quelqu'un d'autre? Il se repose une question et... C'est incompréhensible. Alors que j'ai peut-être très clair, hein. Chaque réponse vient de... voilà. Mais pour moi, c'est du charabia, quoi. Clairement. Le chiquet, le chiquet. Pourquoi le chiquet? Aucune idée. La, 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 la. Génial. Glace foudre à deux reprises, mais sans utiliser la magie. Ben, je dois passer par un rite éveillé, hein, ma foi. Pas le choix. Ah mais oui, ça j'ai oublié que j'étais avec cette team. Le... me fait peur pour rien. J'aime trop tôt l'artillerie lourde. Bon, c'est pas grave, mais... oh, t'es mieux avant.
combo de 7 feu glace foudre. Oui, c'est bon, ça j'ai tout. Là, j'ai bon, j'ai tout. C'est pas avec Olive que je ferai le combo de 7, donc on va éviter de partir avec Olive. Mon maire n'est pas notre tuteur. Oui, je ne l'ai jamais considéré comme tel. Si tuteur il y a, alors c'est plutôt moi qui remplis ce rôle. C'est moi qui réveille le matin et tout le reste. J'imagine que mon maire est plus un ami qu'autre chose. Oui, c'est ça, un ami. Un ami, ça ne semble pas trop collé à mes yeux. Je veux dire, il y a quand même une sacrée différence d'âge, non? Mais Lid, pourquoi tu contre-attaques? Parce que t'es impassible, t'as envie de m'attaquer, d'accord, c'est noté. Pourquoi 3-3-3? Oh là là, la cata. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ah, cata. Magnifique. Ben voilà, comme vous voulez, vous pouvez vous y mettre. J'y croyais pas une seule seconde, hein. Vous savez que je sais que je peux compter sur vous quand même. Depuis le temps. Ah, mais oui, forcément, du coup, j'ai pas fait le feu glace foudre. Forcément. Pas plus fort que le dernier, finalement. Mais oui, mais bon, j'étais tellement concentré sur le combo que j'ai oublié le reste. Bon, c'est pas grave. Ah, le retour de Distork. 20 à un ennemi à 2 reprises ou plus, ça, pas de problème. La limite, ça, on va faire en sorte de l'avoir. Et puis voilà, ça ira très bien. Petite confrontation. Hugo, que t'arrive-t-il? Cette présence. Distork. Je ne reconnais pas l'autre personne. Sûrement un membre des ordres. Ce fut un jeu d'enfant de vous retrouver. Vous faites de bien piètre joueur de cache-cache. Bien, Yigo. Et si nous poursuivions cette punition? Yigo, non! Tout va bien, nous sommes avec toi. Je m'occupe de Regan et de ses acolytes. Maître, chargez-vous de Yigo. Ga, Chaline,
tu oses me donner des ordres ? Pardonnez-moi, maître. Je ne suis qu'un imbécile. Tu fais bien de le reconnaître. Bien, permets-moi de te corriger. Shalim, tu t'occupes de Regan et de ses acolytes. Moi, je me charge de Yigo. Vos désirs sont des ordres, maître. Je suis Shalim de l'étoile Eta, dit le mage blanc. Papyre, il est là, papyre. Bon, ben voilà, il nous en manque plus qu'un. Yigo, t'es où ? Oh, c'est pas vrai, je l'ai mangé, quoi. Ah non, je pense savoir où il est passé, le stylo. Donc on sait que c'est Shalim, de l'étoile Eta. Ok, très bien. Sur mon maître, je dois vous arrêter. Ne te rende pas trop. Dis-moi, comment est-ce qu'un mage blanc compte s'y prendre pour nous combattre tous à la fois ? Hein, vous croyez vraiment que je me vante ? Il va utiliser Sidéral, j'imagine. Quoi ? Il peut lancer plusieurs sidérales à la fois. Sa puissance magique est illimitée ou quoi ? Viens, Yigo, il est temps de reprendre ton éducation. Non, je ne veux pas. Ne bouge plus. Maintenant, souviens-toi de ce que tu es. Urg. Bien, dis-moi, qui es-tu ? Je suis Yigo. Je suis la fille de Sid. Faux ! Gars, tu es une vilaine orpheline élevée par des morboles. Tu ne vaux pas mieux qu'un déchet. Mais moi, je t'ai recueilli et élevé. Et j'ai fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Non. C'est comme ça que tu me remercies. Tu n'es qu'une ingrate qui mérite la mort. Allez, dis-le. Mets-toi à genoux. Mais t'es con ou quoi ? Si tu la frappes au sol, comment tu veux qu'elle puisse se mettre à genoux après ? Elle est déjà couchée par terre. Il est con, lui. Excusez-moi des propos, mais bon, voilà quoi. Et implore le pardon à ton maître pour ta trahison. Supplie-le d'excuser cette vilaine ingrate qui mérite la mort. Je suis vraiment obstiné. Enfin, peu importe. Je me sens beaucoup mieux, maître. Yigo, te voici aussi sale et misérable que le jour où je t'ai trouvé. Tu n'es rien de plus qu'un déchet. Disparais. Bien, il est temps d'en finir. Oh non, pas Yigo ! Je ne peux rester sans rien faire et laisser les gens un peu moins beaux que moi mourir. Hein ? J'aurais aimé ne pas avoir utilisé ce bouclier. Cela me fatigue tellement que les cernes déforment mon beau visage.
Sid, Regen, à vous de jouer. Allez. Parfait. Le sauvetage. Yego. Yego, tu vas bien? Père, je n'ai pas lâché le pendentif que tu m'as offert. C'est pour ça que les mots de Distork ne m'ont pas atteinte cette fois. Bravo, ma fille. Je savais que tu t'en sortirais. Je suis fier de t'avoir pour fille. Ta fille? Mais bien sûr, si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. Une ordure comme toi ne pourra jamais comprendre. Le sang n'est pas la seule chose qui peut lier une famille. Mon existence en est la preuve. Plaît-il? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Inutile, tu n'as pas besoin de comprendre. Car nous allons te tuer ici et maintenant. Distork, jamais plus je ne te craindrai. Oh, est-ce bien vrai? Mais cela ne veut pas pourtant dire que tu ne pourras me vaincre. Il se peut que ton rang soit supérieur au mien, mais mon intelligence est sans égale. Intelligence, sûrement le dernier mot que j'aurais associé à ton apparence. Alors, soyons efficaces. Voilà, du bœuf. Du bœuf, hop là, voilà, du bœuf encore, hop. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais voir ce qu'il a lui déjà. Ouais, non, il n'y a rien de particulier. Il s'en sait qu'il n'y a pas d'avare. Hop là, voilà ça. Ça c'est bon, ça, les contre-attaques. Du coup, Fina, ouais, la fille boost, c'est bien. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Je sais plus. Ah oui, des gardes de vent, c'est vrai. Non. Ah oui, mais ça risque de piquer un peu. Donc, vent, on vend ici.
le buff là. Finis-moi ce joli travail. Voilà. Le vent. J'ai oublié le vent. Mon Dieu. C'est l'erreur. Bah tant pis, ça m'en prendra. Zone terminée. C'est pas trop tôt. C'est bon. Oh, c'est trop gentil. Je sais pas où il était le second, mais je prends, hein, clairement. Ce n'est pas possible. Quelle humiliation. Ça n'est pas terminé. Quoi ? À vos ordres, maître. Bien, très bien, Chalem. Il l'a soigné. Bien, et si nous reprenions depuis le début ? Vous pouvez vous soigner autant que vous voudrez. Nous vous vaincrons à chaque fois. Oh oh, voilà que la bête montre ses crocs. Maître, attendez s'il vous plaît. Non seulement ils ont les 8 jurés avec eux, mais aussi les étoiles Gamma et Theta. Les prendre de front ne me paraît pas avisé. Nous aurions peut-être nous retirer et... Combien de fois vais-je te le dire ? Tu n'as pas à me donner d'ordre. Veuillez m'excuser, maître. C'est mieux. Ne recommence pas. Bien entendu, j'ai eu la même idée. Nous allons nous retirer. Une retraite stratégique, en somme. À vos ordres, maître. Distork. Attends. Nous ne pouvons pas les poursuivre. Nous avons plus important à faire maintenant. Grrr. Au plaisir, mes amis. Nous nous retrouverons bientôt. Distork. Nous réglerons ça une fois pour toutes. Soyez-en sûrs. Exact. Les liens qui t'unissent à ta famille t'ont rendu plus forte, Yego. Oui, je le pense aussi. Je peux devenir plus fort, moi aussi.
grâce à la force des liens qui m'unissent à mon père et aux autres. Oui, rien n'est insurmontable quand on est ensemble. C'est vrai. Mon père le traître. Allez, la forêt éclatante. Nature généreuse. De baisse partie, hein. Montre-nous ta générosité, cette belle forêt. Les Chalim, finalement, ils l'ont juste assommé, en fait. Red, je suis érigé la première barrière. Penses-tu pouvoir tenir à toi toute seule? Et Rebelote, encore à l'attaquer. Tout ça pour prétendre que tu ne te fais pas du souci pour elle. Je n'en fais pas du tout, tu es complètement à côté de la plaque. Pourquoi le cacher? Parfois, tu te conduis vraiment comme un gamin. Pas exactement un prix de maturité non plus. Ne t'inquiète pas pour moi. Darish, je ferai en sorte que la barrière soit bien érigée. J'ai l'impression qu'il y a des noms qui sont plus les mêmes, une nouvelle fois. Mais bon. Ils remettront ça d'aplomb au fur et à mesure, c'est pas un problème. Très le zigazon, c'est parce qu'on le comprend avec le décor. C'est fou quoi. Ben, au revoir combo élémentaire, hein. Clairement. C'est un sacrifice nécessaire pour la bonne progression de l'aventure. Soyez-en assurés. Je sais ce qui est bon pour moi. Et ce qu'il est moins. Bon, mais voilà, il nous en manque plus qu'une petite étoile. A priori. À moins que je l'ai loupé, mais. Bon, je regarderai ça à la fin de cette partie d'histoire. Ah, une petite scénette.
nous ne devons plus être très loin et nous pourrons bientôt mettre en place le champ magique. Mon père, ça va? T'as pas l'air dans ton assiette. Ne t'en fais pas. Il est toujours comme ça. Oui, c'est normal. Il doit juste être concentré sur la mise en place du champ magique. Oui, je suis désolé. Hé, hey, regardez! Ce sont mes fleurs préférées. C'est vrai, ça me rappelle de bons souvenirs. Tu en avais planté devant ta maison. Exact. Regen, peut-on s'arrêter un instant? J'aimerais laisser Rage profiter un peu de ses fleurs favorites. Non, mon père. Ne t'inquiète pas pour moi, notre priorité est de mettre en place le champ magique. Nous ne sommes plus très loin. Je suis sûr que l'on peut s'arrêter quelques minutes. En effet, on peut faire une pause. Merci. Dans ce cas, je vais regarder un peu les fleurs et je reviens. Ah, il va expliquer son plan, c'est ça? Je te voyais comme un forcené du travail, mais je vois que tu peux te montrer attentionné. C'est faux. Je n'ai plus une once de gentillesse en moi. Tiens, mon père. Je t'ai fabriqué ça. Une couronne de fleurs? Eh bien, voyez-vous ça? De quoi j'ai l'air? La vérité? Parfaitement ridicule. J'aime bien. Je pense que ça te va plutôt bien. Un gâteau est toujours mieux quand il est fait main. Il n'y a rien de gênant pour des parents et leurs enfants d'avoir des objets assortis. Pas vrai, mes chères filles? Oui. Sid, si ça te gênait vraiment, peut-être aurait-il mieux valu ne pas les fabriquer du tout. Magie verte, 3 limites, pour la base. C'est bien tout ça. Ouais, donc de la limite, il vaut mieux prendre allez, cette tasse de cœur. Un souci, mon père? Tu as l'air assez tendu. Nous sommes tout près de notre objectif. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que je sois un peu sur les nerfs. L'échec n'est pas envisageable. Je compte sur toi, Regen. Pas de problème, je m'en charge. Thank you.
Rain est déjà reparti. Eh ben ouais. La petite sacoua. Allez, la dernière petite mission de la zone. Feu 4 reprises ou plus. Je pense que ça devrait le faire. Bon, vu que c'est du 4 ou plus, on va prendre un IU. Sans limite. On dirait qu'on y est presque, je tiens à tous vous remercier. C'est un peu tôt pour ça, tu trouves pas? On n'a même pas érigé la barrière. Elle a raison, si tu as le temps de nous remercier, fais-le quand la mission sera accomplie. Eh bien, je suppose que c'est vrai. C'est juste sorti tout seul. Des remerciements un peu prématurés ne me dérangent pas. D'ailleurs, j'aime même que j'accueille tout remerciement les bras ouverts. Hé, tu fais toujours rire, Sigarde. Ça passera, crois-moi. Je vous confirme, ça passera. Puis après, ça deviendra lourd. Ah, comme elles sont méchantes, mais elles ont tellement raison. T'as pas un petit tour de feu toi? Non, même pas. Ça sent que l'histoire des barrières, ça sent que quand ça va l'adresser, quand ça sera dissipé, ils vont tous mourir. À tous les coups. Donc, sinon, pourquoi remercier d'avance? Donc les 4 feux, il y a... Ok. La Swell. Non. La Swell a dit... Non, je veux pas. Faire ça pour moi aussi. Bon bah faudra trop de puissance hein. C'est chagouin trop trop max en plus. Oh là là, ces intitulés de mission.
Non mais sérieux, il y aura une partie 4. Ils vont nous concentrer de l'action là-dedans, non? Ils abusent, sérieux. Bref, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour la suite de cette partie, cette histoire. Je vous dis à bientôt tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien.